Birchot Morai et Rabotai, avec la permission d'Hachem, nous sommes à la veille de Pessah, paracha Tzav. Donc cette paracha de Tzav, elle est en même temps la paracha de Shabbat Agadol. Donc il y a une connexion entre paracha Tzav et Shabbat Agadol. Shabbat Agadol, c'est le grand Shabbat. On l'appelle Shabbat Agadol, c'est le grand Shabbat. Pourquoi il s'appelle Shabbat Agadol? À cause du miracle qu'il y a eu. Quel est le miracle qu'il y a eu? Eh bien, le miracle qu'il y a eu, c'est que les Juifs, ils ont été ordonnés par Akadosh Baruch Hu à Chodesh Hazeh Lachem. Akadosh Baruch Hu dit au Bnei Israël, ce mois-là, il est pour vous. C'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, ce mois-là, il est pour vous? Ça veut dire, c'est la première fête, c'est la première mitzvah que Hachem, il a donné au Bnei Israël. Ce Chodesh Hazeh, c'est la première mitzvah qui nous dit, cette mitzvah-là, elle est à vous. Jusqu'à maintenant, on n'a pas vu Hachem qui donne une mitzvah au Bnei Israël. C'est la première mitzvah qu'il leur donne, c'est la mitzvah de Bekat HaHodesh, bénir le mois. Faire les calculs des fêtes juives, le calendrier juif, basé sur la lune, sur le cercle lunaire. Et la Torah dit, « HaHodesh HaZeh Lachem ». Ce mois-là, il est pour vous. Et Lachem, c'est les lettres de Melech. Lachem, si vous voyez le mot Lachem, qui veut dire à vous, le mot Lachem, Lamet, Chaf, même, c'est Melech, roi. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, à partir de cette mitzvah que vous allez faire, cette mitzvah-là, elle va vous rendre un roi. Si jusqu'à maintenant vous êtes esclaves, que vous ne pouvez pas faire aucune mitzvah, à partir de ce mois-là, à partir de ce Rosh Hashanah-là, à partir de Rosh Hashanah Nissan, vous êtes des rois. À partir de là, vous savez, c'est les mitzvot qui vont vous rendre roi. Il y a un pasuk dans Dvarim, je pense que, à Kadosh Baruch Hu ibn Israël, en faisant les mitzvot, vous êtes Elyon, vous êtes supérieur. Là, pourquoi? Parce que les mitzvot, c'est les ordres de à Kadosh Baruch Hu. Comme que Hashem est les rois, lorsqu'on respecte les ordres du roi, alors ça veut dire qu'on a une connexion avec le roi. Ça veut dire qu'on devient on devient quelque chose royal. Enfin, je parle spirituel, bien sûr. Je ne parle pas roi. Je parle en termes spirituels. Donc, la première mitzvah que Hashem nous a donnée, c'est Ahodesh Hazeh Lachem. La bracha de Bekat Ahodesh. Ça veut dire qu'Hashem veut qu'on calcule tous nos fêtes avec le cercle lunaire. Ça, c'est une mitzvah. Et cette première mitzvah-là, que Hachem nous a donnée en Égypte. En Égypte, il nous l'a donnée. Ça veut dire que déjà, il y a cette mitzvah-là qu'elle va nous protéger. Déjà, cette mitzvah-là de calcul, parce que toutes les fêtes juives, et tous les shabbatos juifs, et tout ce qui est juif, ça fait partie du calendrier. Même qu'à Tchema, le matin, alors ça commence, vous savez, le temps, c'est... Le temps, c'est toutes les mitzvot est basé sur le temps. Et le temps, il faut diviser le temps. Il faut Shabbat, c'est Shabbat, dimanche, c'est dimanche, la fête, c'est la fête, les heures de prière, c'est les heures de prière. Il y a toute une fête, comme les femmes qui vont mikveh, c'est le temps. C'est diviser la semaine, diviser les minutes, diviser, etc. C'est le temps. Donc, notre temps à nous, le jour, il commence pas à partir du jour et la nuit. Non, notre jour à nous commence à partir de la nuit et le jour. Donc, c'est quelque chose, comme c'est écrit, donc, c'est un calcul qu'il a enseigné à Moshe Rabbeinu, et Moshe Rabbeinu l'a enseigné à Israël, et jusqu'à maintenant, notre calendrier juif, il est basé depuis cette époque que le juif, puis était en Égypte, et qu'Akash Vokhu, il a dit à Moshe Rabbeinu, à Hodesh Hazeh, ce mois-là, il est pour vous. Ce mois-là, c'est la première mitzvah que je vous donne, et c'est cette mitzvah-là qui va vous rendre roi. Compris jusqu'à maintenant? Donc, c'est cette mitzvah-là que Hachem a donnée à Israël. Et bien sûr, à partir de cette mitzvah-là, il y a quelque chose qui s'est passé. Hachem dit à Moshe Rabbeinu, tu dis au Bnei Israël qu'après 10 jours, ils vont prendre, voilà déjà maintenant, après le premier mois, maintenant sur Rosh Chodesh, comptez 10 jours, voilà déjà maintenant, à partir de maintenant, on commence à parler des jours, d'accord? Jusqu'à maintenant, dans toute la Torah, on n'a pas parlé ni de calendrier, ni de jours, ni de mois, ni d'années, ni de rien du tout. Maintenant, à partir de maintenant,
vous appartenez, vous êtes plus lié avec l'Égypte. À partir de Rosh Chodesh Nissan, vous êtes lié maintenant avec moi. Comme ça, quand je dis à Moshe Rabbeinu, à partir de cette mitzvah-là que vous allez faire, allez, vous allez être attaché à moi. Et quelle est la première mitzvah qu'il leur a dit? Il leur a dit, alors, le 10 Nissan, vous allez prendre un bélier. Un bélier. Mishru Lachem. Un bélier. Et Rachid dit, et le Midrash dit, quoi? Pourquoi un bélier? Parce que HaKadosh Baruch Hu a voulu préparer les bénis d'Israël à ne pas avoir la Emouna dans, bien sûr, ils ne croyaient pas dans l'idolâtrie égyptienne, parce qu'à l'époque, l'Égyptien vénérait le bélier. Ils vénéraient, pour eux, le bélier, c'était un dieu. Donc, ils vénéraient le bélier, et que, parce qu'ils pensaient qu'à travers le bélier, tout le système, l'idolâtrie, que Dieu, on peut pas atteindre Dieu, alors on pouvait atteindre Dieu uniquement à travers le bélier. C'était ça les idées de l'époque. Donc, quand je croyais dire au peuple d'Israël, non, avec moi ça marche pas comme ça. Avec moi ça marche que celui qui veut être connecté à moi, alors c'est pas à travers les béliers, au travers la lune, au travers le soleil, au travers les arbres, ou à travers les astres, non, directement, à moi. Alors, quand je croyais dire au peuple d'Israël, à partir de maintenant, vous êtes lié directement à moi, et vous êtes lié directement à mes mitzvot. Et or, je ne veux pas que vous n'ayez aucun lien avec l'idolâtrie égyptienne. Donc, je vous ordonne, le 10 du mois, vous prenez l'idolâtrie égyptienne, et vous allez l'accrocher au bout du lit. Et après, et le 14 Nissan, vous allez l'égorger. C'est extraordinaire. Quand je vois au Rédiou Bnei Israël, si maintenant vous voulez être lié avec moi et que vous allez accepter mes mitzvot, il faut se déconnecter de l'idolâtrie égyptienne. Et le contraire, cette idolâtrie égyptienne, vous allez la prendre, vous allez l'égorger et vous allez la manger. Pour montrer aux Égyptiens que vous n'avez pas peur d'eux. Et montrer aux Égyptiens que leur idolâtrie, elle est caduque, elle est nulle, elle est rien. Et qu'elle est inoffensive. La preuve, voilà, on la mange, on la brûle, et on la fait des grillades avec, et voilà, on s'éclate, on la mange, voilà. Ça veut dire, montre aux Égyptiens que leur Dieu, il est ouelo, par rapport à Akadosh Baruch Hu. Vous savez très bien que ça, c'est une grande Messirut Nefesh. Ça, c'est un gros risque qu'ils ont pris les Juifs. Parce que c'est vraiment... Vous imaginez, la première mitzvah que Hachem donne au Bnei Israël, c'est inimaginable. Au lieu qu'il leur donne Shabbat, au lieu qu'il leur donne une mitzvah de mettre tefillin, au lieu qu'il leur donne une mitzvah de, je sais pas, de ne pas mélanger le lait et la laine, il y a ne pas mélanger le beurre et le lait, et le lait et la viande, il y a 613 mitzvot. Qu'est-ce qu'il leur donne comme mitzvah? Il leur donne une mitzvah. Prenez la mitzvah qui s'appelle Emouna. Il faut maintenant croire en moi. Il faut croire, parce que tout ce que vous allez voir plus tard, tout dépend si vous croyez en moi. Parce que si vous ne croyez pas en moi, alors tous les miracles que je vais faire avec vous plus tard, ils ne vont pas se faire parce que il va y avoir un midat hadin. Il va avoir la rigueur. Parce que dans le ciel, les malachim qui protègent les Égyptiens, ils vont me dire, comment tu es en train de sauver les Juifs alors qu'ils ne croient pas en toi. Donc maintenant, vous les bénis d'Israël, il faut me suivre. Première chose, toutes les mitzvot que je vais vous donner, ils sont liés avec le cercle lunaire, avec les calculs qui sont avec la lune. C'est pour ça que dans l'année, il y a 365 jours, qui sont tous liés avec 12 mois et avec la lune. Comme ça, toujours Pessah, il tombe à l'heure, toujours dans spring, et Sukkot, c'est à Sukkot, Hanouka, c'est Hanouka, et les Shabbat, tout ça, Shabbat, il n'y a pas, une fois Pessah, il va tomber en été, au mois d'août, non, il faut que ce soit réglo. Et pour que ce soit réglo, il faut faire les calculs d'après la lune. Et c'est la raison pourquoi des fois, lorsqu'il manque des jours, on ajoute un mois qui s'appelle Adar Vadar, et il y a une fois tous les 4 ans, on a 13 mois dans l'année, pourquoi tout cela? Pour que toujours les fêtes, ils tombent à la même période. Toujours, le Pessah, il tombe Behodesh Ha'aviv, à l'automne. L'automne, c'est ça, le printemps. Hein? Allô? Oui. Pessah, il tombe quand? Le
Voilà, et tu offres toujours Pessah à Nissan. Donc, Akadosh Baruch Hu, il dit au Bnei Israël, il faut toujours. Donc, Akadosh Baruch Hu, il dit au Bnei Israël, c'est très important que si vous voulez que je fasse avec vous tous ces miracles-là, il faut prendre la Avodah Zara égyptienne et l'égorger. Et si je vois que vous faites ça, alors ça va être une preuve pour moi que vous croyez en moi. Là, je peux vous donner la Torah, là, je peux vous libérer, là, je peux faire avec vous beaucoup de miracles. Ah, mais il y a une question qui se pose. Et la Torah, elle nous raconte tout ça, ce qui s'est passé. Les ça, ils ont pris le bélier, et l'Égyptien, ils ont demandé aux Juifs, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Les Juifs, ils ont répondu, on va l'égorger, on va le manger. Et ça a énervé l'Égyptien, mais là, quand Kadosh Baruch Hu, il a montré au Bnei Israël qu'il était capable de les sauver. Et Baruch Hashem, il les a protégés, et il a libéré le Bnei Israël de l'Égypte. Maintenant, la question qui se pose, eh oui, j'ai oublié de vous dire, et non seulement qu'il a les allurés, ils ont égorgé l'idolâtrie égyptienne, ils l'ont mangé, ils ont passé à la grillade, et vous savez que. Oui, les grillades, ça fait une grande odeur, et les égyptiens, ils ont senti, ça les énervait, ils ne pouvaient rien faire, après il y a eu la Makat Bechorot, tous les premiers-nés sont morts, et après, quand je crois, il a montré un grand miracle. Aïe, aïe, aïe. Maintenant, la question qui se pose, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fallu que Akadosh Baruch Hu, il frappe l'Égyptien, et en Égypte, et dans la mer. C'est ça la question qu'on va essayer de comprendre. Pourquoi? Parce que je ne comprends pas. Pourquoi les pays d'Israël, ils n'ont pas. Pourquoi Akadosh Baruch Hu n'a pas fait que les pays d'Israël, ils prennent. Que les pays d'Israël, une fois qu'ils ont quitté l'Égypte, ça suffit. Maintenant. On a vu qu'il n'y avait pas eu une maison, il n'y a pas eu un mort. Paro, il a reçu un coup. Les Bnei Israël, c'est écrit dans la Torah, Bnei Israël Yatzou, Biadrama. Les Bnei Israël sont sortis la main haute. C'est écrit au pro-Eloé Bnei Israël et ses Shephatim. Akadosh Baruch Hu, il s'est vengé de tous les dieux égyptiens. Tous les dieux égyptiens, ils étaient à plat. Le bélier qui était. Que représentait le dieu égyptien, ils l'ont égorgé. Et l'égyptien, il ne pouvait rien faire. Les Bechorim, les premiers égyptiens, qu'eux aussi, ils avaient, ils croyaient, l'égyptien, ils les prenaient pour des dieux, ils sont tous morts, la veille de la sortie de l'Égypte. Paro, il s'est incliné devant Moshe Rabbeinu. Il lui embrasse les mains, je t'en prie, Paro, Moshe, quitte. Et les ministres d'Israël, ils demandent aux égyptiens de l'argent et de l'or. Et l'égyptien, ils voulaient tellement se débarrasser des Juifs, ils leur ont dit, prenez tout. Et la Gemara a dit que les Juifs, ils ont presque vidé l'Égypte. Ils ont encaissé les 400 ans de travail qu'ils ont travaillé là-bas, et ils ont le passo qui s'est accompli. Ils sont sortis avec une richesse colossale. La Gemara a dit, il n'y avait pas un Juif qui avait moins de 70 ânes pleins d'argent. Presque, si on fait le calcul, ils avaient presque 54 millions d'ânes. À part ce que les femmes, ils ont pris, ça reste que les hommes, les 600 000 hommes. Ça devait être c'est inimaginable. On ne peut pas imaginer combien des milliards de bêtes, je ne sais pas, on ne peut pas, combien des millions de personnes, c'est, d'après Harami, il y avait peut-être, il y a des millions et des millions de juifs qui ont quitté. C'est inimaginable. Inimaginable. Imaginez-vous qu'il y avait eu des femmes qui avaient 70 enfants. Alors imaginez-vous, on ne peut pas imaginer. Faites un calcul. Il y avait 600 000 à partir de l'âge de 50 ans. De l'âge de 20 ans jusqu'à 50 ans. Et ceux qui avaient plus de 50 ans, et ceux qui avaient moins de 20 ans, et les femmes et les vieux, c'est inimaginable. On ne peut pas imaginer. On peut pas imaginer. Alors, c'est un S. Voir les Juifs quitter l'Égypte où ils étaient enfermés, c'est un S. Alors je ne comprends pas pourquoi Akadosh Baruch Hu il a fait, est-ce que Paro aussi, Akadosh Baruch Hu il a endurci le cœur de Paro pour que Paro il court derrière l'Israël pour qu'il reçoive des coups sur la mer.
Et il y a beaucoup dans la Gada, on lit beaucoup de fois dans la Gada, combien des coups il a reçu par eau dans la mer. Attends, pourquoi tous ces coups qu'il a reçus en Égypte, c'est pas assez? Ici, Hachem, il veut donner deux fois plus des coups à Pharaon. Eh bien, qu'il lui donne en Égypte. Oui ou pas? Alors, pourquoi tous ces, pourquoi quand je vais au coup, il faut qu'il frappe deux fois? Et il faut qu'il frappe et en Égypte et en dehors de l'Égypte. Quelle est la question? C'est écrit dans Azashimoshe, Vaya Israël, Mitzrayim et Asfatayam. Israël, ils ont vu l'Égypte mort au bord de la mer. Et la Gemara, il dit, c'est quoi? Vaya Israël et Mitzrayim met, c'est quoi les Juifs, ils ont vu l'Égyptien. C'est pas les Égyptiens. Vaya et Mitzrayim, on dirait, on parle d'une seule personne. Et la Gemara, il dit que les Juifs, ils ont vu celui, le Malach, l'ange qui protège l'Égypte, ils l'ont vu mort. Ah, l'ange, parce qu'au départ, c'est écrit que l'Égypte, ils ont eu peur de l'Égypte, parce qu'ils ont vu celui qui protège les Égyptiens arriver avec eux. Là, ils l'ont vu mort. Ah, là, ils ont chanté à Zachemoshi. Là, ils étaient relief. Là, ils étaient tranquilles. Les rabotins, moi je pose une question. Tous ces coups que Kachmokou a donné aux Égyptiens dans la mer, eh bien qu'il leur donne l'Égypte. Et que Pharaon aussi meurt. Et que tout le monde meurt, ça y est. Et on n'en parle plus. Pourquoi c'est tout ça? Pourquoi tout ça? Pourquoi je comprends pas. Pourquoi Kachmokou il avait besoin encore que l'Égyptien poursuive les Juifs pour recevoir des coups sur la mer. Il y a ceux qui disent qu'ils ont reçu plus de coups de la mer que les coups qu'ils ont reçus en Égypte. Oui ou pas? Donc c'est ça ce qu'on va essayer de comprendre. Moi j'ai une super réponse. J'ai pensé à une super réponse. Il faut savoir une chose. Que lorsque quelqu'un est gâté, lorsqu'on gâte quelqu'un, après, il n'apprécie plus ce qu'on lui donne. Parce qu'il est gâté. Tout ce qu'on peut lui donner, ça lui fait ni chaud ni froid, ce qu'on peut lui donner. Parce que il pense que tout est acquis. Alors, bien sûr, c'est quelqu'un qui est gâté, c'est une mauvaise qualité être gâté. Vous savez, à tel point que quand je me il a un problème avec nous. Lequel? Un chef, il veut tout nous donner. Il veut qu'on vit bien. Mais Hachem, il sait que lorsqu'il nous donne tout, on devient des garçons gâtés. Et à la fin, qu'est-ce qu'on dit? Kohé. Après, on dit, c'est ma force, c'est mon intelligence, c'est ma sagesse, c'est mon savoir. C'est mon savoir-faire qui a fait de moi ce que j'ai. Donc, quand je me crois, il a un problème avec nous. Il a vraiment un grand problème. Il ne sait pas comment se comporter avec nous. Il sait pas comment se comporter. Alors, de temps en temps, quand je me crois, qu'est-ce qu'il fait? Il nous envoie un peu des épreuves. Pour le mettre un peu sur la plateforme, pour le mettre un peu, pour qu'on réfléchisse un peu, pour qu'on se mette un peu à, pour qu'on se mette à niveau. Beaucoup de fois, l'homme, malheureusement, il. Regardez, à Kadosh Baruch Hu, tout d'abord, il a donné, à Kadosh Baruch Hu, il a donné 9 coups. 9 plaies aux Égyptiens. Et là, et Hachim n'a pas encore donné une mitzvah aux Juifs. Aucune mitzvah. Et pourquoi Kachemar, il a fait c'est comme une hakdama, une préface. Hachim, avant qu'il donne la Torah au Bnei Israël, ou avant qu'il leur donne quelques mitzvot, déjà Kachemar, il a fait une démonstration. Une démonstration qui il est. Parce que c'est très beau, hein. Kachemar, il vient et dit au Bnei Israël, faites des mitzvot, ils vont lui dire non. Qui nous dit que c'est toi Dieu? Peut-être c'est Pharaon le bon Dieu. Jusqu'à maintenant, on voit Pharaon, c'est lui le Dieu. Tout le monde pense que Pharaon c'est Dieu. Et lorsque Pharaon descend au Nil, l'eau il vient vers lui. Ça veut dire que c'est un Dieu. Alors quand je vois au coup que c'est la fée, pendant les 9 plaies qu'il a de l'Égyptien, eh ben, quand je crois qu'il a montré aux Juifs qu'est-ce qu'il est. Il a montré à Hachim aux Juifs, Hachit à l'Altibim. Quand je vois qu'il a montré aux Juifs, de quoi il est capable de faire, de quoi il est capable. Akashka, il a montré aux Juifs qu'il a changé la nature, il a changé le théma,
pour donner ces 9 coups, ces 9 plaies aux Égyptiens, il fallait vraiment être un dieu, oui ou pas? Et Hachem, il a montré qu'il était un dieu. Et Hachem, il a montré qu'il était un dieu. Donc les Bnei Israël, une fois qu'ils ont vu de quoi Hachem est capable, donc ils ont compris qu'ils ont affaire avec Akadosh Baruch Hu. Donc ils ont compris que Hachem, c'est lui Elohe Abraham, Elohe Yitzhak, Elohe Yaakov. Eux, ils savent qu'ils sont les descendants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ils savent qu'il y a la tribu de Lévi qui étudie la Torah à Eretz Goshen. Ils savent maintenant, eux, c'est le peuple choisi, c'est eux maintenant les héritiers de Eretz Israël. Ils savent, ça, et maintenant ils ont compris. Maintenant qu'ils ont compris, ils leur donnent une mitzvah. Maintenant qu'ils ont compris, maintenant ils commencent maintenant à s'imposer. Maintenant que vous savez que c'est moi Dieu, c'est moi Hachem, et c'est moi qui va vous libérer, alors il faut... Maintenant je peux demander. Hein? Je t'ai donné, maintenant je peux demander. Maintenant que je t'ai montré qui je suis, maintenant je peux vous demander de faire les mitzvot. Et maintenant j'exige la première mitzvah, la deuxième mitzvah que je vous donne, c'est de prendre le 10e jour, de prendre la Avodah Zarah égyptienne, et vous allez faire une démonstration, et vous allez voir avec vos propres yeux qu'ils ne vont rien vous faire. Jusqu'à maintenant, vous avez peur du bélier, parce que c'était le dieu égyptien. À partir de maintenant, vous allez voir que l'Égyptien ne peut rien vous faire. Et de là, vous allez savoir le protecteur. Mais les ministres d'Israël, à Kadosh Baruch Hu, ils savaient que les ministres d'Israël, avec, pendant toute l'année, ils ont vu beaucoup de miracles. À Kadosh Baruch Hu, il a eu une peur d'une chose. C'est quoi la peur de cette chose-là? Que tellement qu'ils étaient attachés, et tellement qu'ils ont eu peur de Paro, que Hachem, il a eu peur que si ils quittent les Bnei Israël, ils vont quitter l'Égypte, peut-être toujours ils vont avoir une crainte, une peur, peut-être pas, n'oubliez pas, un homme qui a peur de quelqu'un, il aura toujours peur de lui. Même s'il voit ce quelqu'un plus faible que lui, même s'il le voit mort, il aura peur de lui. Parce que il est né avec la peur. C'est comme ça. Hachem, il a eu peur que cette crainte de l'Égypte, même une fois qu'ils ont quitté l'Égypte, elle va rester toujours en eux. Et c'est la raison pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a affaibli les Égyptiens en Égypte, et après il a voulu les achever en dehors de l'Égypte. Et pourquoi en dehors de l'Égypte? Alors la raison, elle est comme ça. Parce que Hachem, il a eu peur, peut-être les Bnei Israël vont dire que Hachem, il est uniquement fort en Égypte, mais il est faible en dehors de l'Égypte. Et peut-être pas en dehors de l'Égypte, il est plus fort qu'il est en Égypte. Et quelle est la preuve? Quelle est la preuve? Parce que on a vu que aucun de en dehors de l'Égypte, il pouvait pénétrer en Égypte. Ça veut dire que Paro, il est fort, et en Égypte, et en dehors de l'Égypte. Et c'est la raison pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a voulu punir l'Égyptien, et en Égypte, et en dehors de l'Égypte. Jusqu'à que, toi, Amissa, ils ont entendu Paro dire, Mi kamocha ba'ilim Hashem. Qui est comme toi, Hashem? Quel Dieu est comme toi, Kadosh Baruch Hu? Première chose. Deuxième chose. Les Bnei Israël, dans la mer, ils sont arrivés à un niveau spirituel très élevé qu'ils ont dit Ze Eli Ve'Anveo. Ils ont vu la Shekhina. Alors je vous pose une question. Comment est-ce possible que les Bnei Israël, ils n'ont pas vu la Shekhina en Égypte? Pourquoi en Égypte ils n'ont pas dit Ze Eli Ve'Anveo? Pourquoi en Égypte ils n'ont pas dit Azaché Moshe au Bnei Israël? Pourquoi ils n'ont pas fait une shira de la sortie de l'Égypte? Pourquoi ils ont fait une shira pour la traversée de la mer? Vous avez compris la question se pose, c'est extraordinaire. Pourquoi les Bnissa, ils n'ont pas fait une shira lorsqu'ils ont quitté l'Égypte? Pourquoi ils n'ont pas fait cette shira là? Ça veut dire que ce qu'ils ont vu dans la mer, c'était plus important que ce qu'ils ont vu en Égypte.
HaKadosh Baruch Hu, il n'a pas voulu tout leur montrer en Égypte. Pourquoi? Parce que, pour plusieurs raisons. Parce qu'en Égypte, il y avait là-bas la Klippa, la Touma égyptienne. Il faut que les Juifs quittent cette Touma égyptienne pour que Hachem commence à leur montrer un peu ce qu'il est. Première chose. Deuxième chose, peut-être HaKadosh Baruch Hu, il a pensé, il a dit, si je leur montre tout mon pouvoir en Égypte, ils vont toujours avoir la crainte, peut-être par haut, il a disparu, et il va les attaquer dans le désert. Alors, HaKadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? HaKadosh Baruch Hu, il a montré au Israël sa force, et en Égypte, et en dehors de l'Égypte. C'est pour ça que c'est écrit dans la Torah que l'Égyptien, il a dit à l'autre, c'est HaKadosh Baruch Hu qui nous combat ici, c'est lui qui nous a combattus en Égypte. Que Hachem nilham lahem bimitzrayim. Là, les Israéliens sont arrivés à un niveau, ils ont dit, si l'Égyptien, il est convaincu que celui qui est en train d'être puni maintenant, c'est lui qui les a punis en Égypte. Alors la plus forte raison, mettons les Juifs, ils sont arrivés à cette mahala de dire, eh bien maintenant, quand Baruch Hu, il a puni Paro en Égypte, voilà maintenant il a puni en dehors de l'Égypte, maintenant qu'il a puni en dehors de l'Égypte, donc ça veut dire qu'Akash Baruch Hu, il a le pouvoir de diriger le monde entier là où il se trouve. Pas qu'on a pensé que petit Hachem, il est capable uniquement de faire la guerre à Paro en Égypte, et en dehors de l'Égypte, petit Paro va être plus fort que HaKadosh Baruch Hu. Et c'est la raison pourquoi HaKadosh Baruch Hu, il a fait à ce que Paro il quitte l'Égypte, il poursuit les Juifs, et les Juifs, ils vont voir, ah, on a eu raison, hein? Oui ou pas? Vous m'écoutez? Oui. Les Juifs vont dire, eh, on a eu raison. On a cru que Paro, que Paro était capable de nous combattre, de combattre Dieu même en dehors de l'Égypte. Ça veut dire, de là on apprend que si Hachem, il aurait puni les Égyptiens en Égypte, les Juifs, ils auraient toujours des doutes sur Hachem qu'il est faible en dehors de l'Égypte. Peut-être en dehors de l'Égypte, quelque chose va arriver. Maintenant, c'est pour ça qu'il a caché la surprise. Pour pouvoir faire libérer les Juifs de l'Égypte, il a puni les Juifs et les Israël où? En Égypte. Et pour leur enlever l'idée que Paro il est fort en dehors de l'Égypte, alors il a puni en dehors de l'Égypte. Et c'est la raison pourquoi HaKadosh Baruch Hu l'a puni par en dehors de l'Égypte avec des coups très très durs. Plus durs que l'Égypte. Et tout cela pour montrer à Am Israël de quoi HaKadosh Baruch Hu est capable. Et il faut savoir une chose. Que malheureusement, l'être humain, il est comme ça. Il faut savoir une chose. Que les Juifs, ils étaient à 49 degrés de Touma. Ici, on ne parle pas des Juifs qui étaient à des Tzadikim. Ici, on parle des Juifs qui étaient à Obdé Abodazar et Abodéno. Comme c'est écrit dans le Midrash, il dit que lorsque HaKadosh Baruch Hu, il a voulu faire noyer l'Égyptien, il y a Midat Adin qui a dit à HaKadosh Baruch Hu, « Borosh Olam, Eli Avodé Avodazara, Eli Avodazara, pourquoi toi Hachem, tu vas tuer l'Égyptien, tu laisses les Juifs vivants ?» Les deux, les Juifs et l'Égyptien, ils sont des idolâtries, ils font la Avodazara. Et pourquoi tu tues ceux-là et tu laisses ceux-là vivants? Pour vous dire que les Bnei Israël, lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, ils n'étaient pas dans un bon degré de Kdusha. Ils étaient à 49 degrés de Touma. Parce que même qu'ils ont eu les échos de voir Zéhéli Benvéo et de voir les miracles de HaKadosh Baruch Hu, il fallait nettoyer. Hein. Ils étaient encore, n'oubliez pas, pendant 400 ans d'idolâtrie, 400 ans, ils ont vécu avec l'Égyptien, 400 ans, heureusement, ils ne se sont pas assimilés, mais ils étaient loin de la Torah, ils étaient loin de tout. Donc, c'est pas évident, c'est pas facile. Ils ont des questions, c'est pas facile. C'est pas facile de nettoyer leur cerveau en un clin d'œil. Il a fallu même Hachem, il a fallu 49 jours, hein. Il a fallu 49 jours.
Parce que c'est bon. Akash Mokri, il punit Pharaon. Il a tué ses enfants, les premiers-nés. Très bien. Mais tout cela, c'était pour permettre les Juifs à quitter l'Égypte. C'est tout. Bâtit, c'est Akagdolabim. Et il y a eu un grand cri. Allez, sortez, sortez, sortez. Mais ça ne veut pas dire que les Juifs, ils étaient convaincus à 100% de leur émouna avec Akadosh Baruch. C'est vrai. C'est vrai, ils ont suivi Hachem dans le désert, c'est vrai, ils ont fait beaucoup d'efforts, mais dans leur tête, beaucoup de fois, ils criaient, et pourquoi on a quitté l'Égypte, pourquoi on a toujours y aller, pourquoi, beaucoup de fois, ça, ils ne croyaient pas, ils n'étaient pas très clairs dans leur tête, parce que n'oubliez pas, regarde, je suis quelqu'un qui travaille dans les mines, du charbon, avec une chemise blanche, comment il faut la laver? Est-ce qu'on peut la laver avec de l'eau? Hein? Il faut beaucoup de savon, il faut de la javel, et il faut des machines, il faut des efforts, c'est pas facile. Une chemise blanche. Le juif, il a une neshama blanche. Il s'en tombait 49 degrés de Touma. C'est vrai. Mais toi, quand je vois, il les lave. Pour les laver, il leur a montré sa courroie, sa force. Et encore, et encore. Et même que lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, ils n'étaient pas encore à 100% dans cette émouna en accouchement. Et regardez, avec tout ce que Hachem leur a fait, qu'Atiab souffle tout, qu'est-ce qu'ils ont dit? Parce qu'ils avaient faim, ils ont dit, Hayesh Hachem bekerbenu im. Est-ce qu'Hachem est avec nous ou pas? Encore des doutes. Ben, il faut, Amalek il est venu. Mais qui va chercher un fouillis des Torah? Ne croyez pas que c'est facile, hein? Ne croyez pas que c'est. En plus, ils n'avaient pas encore la Torah pour passer le temps. Alors, c'est pas facile, hein? Maintenant, on comprend très bien la raison pourquoi Kadosh Baruch Hu, il avait besoin de punir l'Égyptien en dehors de l'Égypte. La raison, elle est la suivante. Donc, je viens de vous expliquer. Parce que Kadosh Baruch Hu, il avait une crainte, une peur que les Juifs. Ils vont toujours avoir des doutes, même une fois qu'ils ont reçu la Torah. Je ne sais pas combien, ils peuvent toujours dire, peut-être Pharaon, il nous prépare un coup, parce qu'avec toute la force, avec toute la divinité que Pharaon représentait, peut-être se prépare de plus en plus pour revenir, nous conquérir et nous ramener en Égypte. Et maintenant, ils s'arment, maintenant, ils se préparent à la guerre. Et c'est la raison pourquoi Kachoué l'a dit, il faut que je leur enlève cette idée de leur tête. Et pour leur enlever cette idée de leur tête, il faut que je punisse Pharaon en Égypte et je punisse Pharaon en dehors de l'Égypte. Pour que les Juifs, ils ne vont pas croire que Pharaon, il a la force de venir conquérir les Juifs en dehors de l'Égypte. Donc je vais les punir en dehors de l'Égypte. Pour comme ça, ils vont être confiants, ils vont être confiants que Pharaon, on n'en parle plus. Et c'est pour ça que Moshe a dit à Obné Israël, Et asher ete Mitzrayim hayom, lotosifun ota C'est une, vous savez, vous vous rendez compte, vous vous rendez compte quelle promesse il promet Moshe à Obné Israël que Has Vishalom, Has Vihaïla, cette promesse-là, c'est Has Vihaïla, Pharaon, il serait venu. Après que les Mitzrim, ils ont été coulés dans l'eau, si les Égyptiens ils seraient venus les récupérer, eh ben ils vont plus croire en Moshe Rabbeinu, oui ou pas? Ben là, Moshe Rabbeinu il confie, il leur dit, voilà maintenant que vous avez vu Pharaon être puni en Égypte, vous avez vu Pharaon puni maintenant dans le désert, en dehors de l'Égypte, et maintenant on n'en parle plus. Mais te sachez, vous n'allez plus retourner là-bas. Sachez qu'aucun Égyptien va retourner vous embêter. C'est fini. Les olam, à vie. Waouh, quelle promesse, hein? Bon, on est contre ça. Mais malheureusement, avec tout ça, il y a toujours les pays d'Israël. Et il se révoltait. De là, vous apprenez comment le tsar il est fort. Maintenant, on comprend très bien pourquoi on fait la guerre au Hametz. Moi, toujours, je me suis posé une question. Pourquoi cette guerre au Hametz? Pourquoi la guerre au Hametz? Pourquoi cette guerre contre le Hametz? Pourquoi on ne mange pas le Hametz à Pessah?
On mange la galette pour se souvenir des 400 ans qu'on a travaillé en Égypte. On mange la galette pour se souvenir que lorsqu'on a quitté l'Égypte, on n'a pas eu le temps de faire les provisions. Et on peut manger le hametz. Mais pourquoi cette guerre au hametz? La guerre, hametz, hametz, hametz. Pourquoi? Et celui qui ne fait pas le bitoul, celui qui n'annule pas le hametz chez la maison, il est condamné à mort. L'extermination. Extermine le hametz de la maison, ou tu seras exterminé, toi et toute ta famille. Que Dieu préserve. C'est quoi ça? Pourquoi? Mais il faut annuler. Que Dieu préserve. Celui qui vient être intelligent et dit, je ne fais que la bidika, je ne veux pas annuler le hametz, que Dieu préserve. S'il a un chewing-gum pas caché, un bon pas caché dans une poche à lui, eh bien, il fait une faute. Parce qu'il écrit, le RAE, Bélor, Yimatsé. Pourquoi cette guerre? Vous avez une réponse? Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Hein? La raison, elle est belle. Parce qu'à Kadosh Baruch Hu, il veut à Kadosh Baruch Hu. Voilà ce qu'il veut. Ce qu'il veut à Kadosh Baruch Hu, pendant ces 7 jours-là, on apprend à exterminer quelque chose. On s'entraîne à apprendre à exterminer quelque chose. Quelle chose qu'on sait qu'elle a un pouvoir de maintenir la personne? Le pain, ou pas? Le pain. Le pain. S'il n'y a pas le pain, on meurt. Le pain, l'ehem. Le pain, c'est important le pain. Celui qui ne mange pas le pain, il meurt. Le pain, c'est important le pain. Le pain, c'est quelque chose qui est vitamine, c'est le pain. HaKadosh Baruch Hu. Et comment le pain, il se fait? Il se fait avec la levure, ou pas? Et qu'est-ce qui fait la levure si tu le mets en contact avec le pain et de l'eau? Il gonfle. Il gonfle. Ah ben justement, HaKadosh Baruch Hu, il veut nous enseigner que le Yetzara, il pousse l'homme à fauter. Hachem, il dit, ne fais pas ça, et le Yetzara, il dit à l'homme, fais ça. Ça veut dire que lorsque l'homme, il fait contre, il fait ce que Hachem, il interdit, il va à l'encontre de HaKadosh Baruch Hu, ça veut dire qu'il a de la gava. Ça veut dire, il est gonflé, hein. Ça veut dire, il se prend plus que Dieu. Ou pas? Oui. Comment? Le roi, il te dit, ne fais pas ça, au lieu que tu t'inclines aux ordres du roi, toi tu fais le contraire de ce que le roi, il te dit de faire. Ça veut dire, tu es gonflé. Ça veut dire, tu gonfles. Eh ben, rabotai, le pain, il représente le Yetzara. Le pain, le Hametz, il représente le Yetzara. Et à Kadosh Baruch Hu, il veut que pendant ces 7 jours-là, on fait la guerre au pain, qui signifie on fait la guerre au Yetzara. Qui nous rentre, qui nous gonfle contre Dieu. Et on l'extermine. Et on l'extermine. Qui était Pharaon? Pharaon, il sait qu'il y a Hachem. Et qu'est-ce qu'il dit? Mais Hachem, Hachem, Shema Bekolo. Qui est Hachem? C'est moi Hachem. C'est moi Dieu, c'est pas Hachem. Comment? Donc, mes amis, le Pharaon, il représente le Satan. Pharaon, il représente le Yetzara. Pharaon, il représente le mal. En faisant la guerre au pain, on fait la guerre à Pharaon. C'est symbolique. On fait la guerre à ce que l'idéologie de Pharaon, la chita de Pharaon, c'est quoi Pharaon? Baal Gaava, l'orgueilleux. Le pain représente l'orgueil. On ne pas manger le pain pendant 7 jours, qui représente la guerre à Pharaon, et ce que Pharaon est représenté, l'orgueil.
Et alors, à la place de l'orgueil, on fait quoi? Matza, le pain qui est plat, la anava. Voilà l'idée, ne pas manger le pain à Pessah, et manger la galette à Pessah. Et quand les Bnissaïs sont arrivés, Behemet, à cette conviction que Hachem il est Emet, Vetorato Emet, vous savez quand? Lorsqu'ils ont vu les Pharaon dire Mikamocha Baelim Hachem, lorsqu'ils ont vu Pharaon couler dans la mer, toute son armée a reçu les coups, en même temps les Égyptiens ont reçu les coups, ceux qui protègent les Égyptiens, l'ange égyptien qui était mort, là, ils ont vu l'orgueil de Pharaon à plat. Là, ils ont compris pourquoi ils n'ont pas le droit de manger le pain. Là, ils ont compris c'est quoi la matza. Là, ils ont compris que c'est fini pour Pharaon. Là, ils ont compris que Pharaon ne peut plus les suivre. Là, ils ont fini que c'est fini. L'Égypte, ils ne vont plus l'avoir. Voilà, tout ça, c'est les lekahim, c'est les leçons qu'on peut apprendre de cette belle fête de Pessah. Pourquoi Hachem, il a puni les Bnei Israël en Égypte? Pourquoi Hachem a puni les Bnei Israël pendant les trois jours des ténèbres, Makatrocher? Parce que ces Juifs-là, ils n'ont pas voulu quitter l'Égypte. Ces Juifs-là, ils ne veulent pas recevoir la Torah. Ces Juifs veulent rester dans l'ombre de Pharaon. Ces Juifs-là, ils étaient encore en connexion avec Pharaon. Ces Juifs-là, ils croient encore dans la force de Pharaon. Ces Juifs-là, ils veulent pas suivre le bon Dieu. Ils veulent rien du tout. Hachem, il les a tués. Ils sont morts en Égypte. Le reste qui sont restés, c'était des dizaines de millions de Juifs. Ceux-là, quand Jérusalem a eu peur, que ceux-là, ils vont avoir des mauvaises idées. Peut-être ils vont croire que Pharaon, il n'est pas encore. Même que Hachem, il a assez peu d'Égyptiens en Égypte, mais les Juifs, quand ils sont les Juifs, vont dire, Pharaon, il est assez fort de revenir en force, en dehors de l'Égypte, et de récupérer. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a voulu en finir avec cela. Il les a bien punis en Égypte, pour que les Juifs, ils les laissent quitter l'Égypte, et après Akadosh Baruch Hu, il a fait que l'Égyptien, il poursuive les Juifs jusqu'à la mer, et là, il les a punis, il a fini avec eux, il a réglé les comptes avec l'Égypte, une fois pour toutes, une fois qu'on chez l'Abbé, et l'Abbé lui a dit, à partir de maintenant, vous n'allez plus voir l'Égypte. Mais on comprend pourquoi Kachri a donné le Hametz à ne pas le manger, manger que la galette. C'est pas le Hametz, il n'est pas uniquement symbolique pour se rappeler des 400 ans qu'on a mangé le pain azim en Égypte, mais le Hametz, il symbolise la gava égyptienne, l'orgueil de Pharaon. Et cet orgueil de Pharaon, il faut la combattre. Comme que vous avez vu Pharaon, comment je l'ai combattu et je l'ai mis KO jusqu'à le 7 jours de Pessah, Hametz n'a pas le droit de manger 7 jours pendant les 7 jours de Pessah. Pharaon, il est mort le 7e jour de Pessah et on finit. Mais tant que l'Égypte, elle a disparu, la gava égyptienne, elle a fini. Maintenant, après ces 7 jours-là, vous pouvez manger le Hametz. Après Pessah, on peut manger le Hametz. Donc on comprend pourquoi le Hametz était interdit de le manger. Hein, Miguel? Pourquoi ce pilpoul des nombres de Makot? Parce que, oui, alors tous ces pilpoul, des nombres, des Makot qu'il y a dans la... Je voudrais bien que vous lisez bien ce que j'ai expliqué dans la Haggadah. Oui. Dans la Haggadah sur Pessah, je l'ai bien expliqué là-bas. Ok. Dans la Haggadah de Pessah, j'ai fait des calculs extraordinaires là-bas. Et vous allez voir chaque rave et comment il comprend pourquoi ce rave il dit qu'il y a eu 500 coups, celui-là il dit 400 coups, les Égyptiens ont reçu à coup de panier tous ces coups là, chacun comment il comprend les coups qu'ils ont reçus les Égyptiens dans la mer. Mais à coup de panier, le plus important pour nous est aujourd'hui pourquoi quand je me crois il a frappé les Égyptiens dans. Parce que vous savez, pourquoi quand je lui ai donné 10 coups en Égypte, les 10 plaies, vous savez, le plus important est pourquoi Hachem, il a. Parce que tous les rabbins qui disent combien de coups ils ont donné, que Hachem a donné aux Égyptiens, ils sont tous d'accord que la raison pourquoi Hachem l'a donné, il y a ceux qui disent
Il leur a donné 400 coups, 300 coups, 500 coups, 50 coups. Mais le plus important, pourquoi Hachem il a frappé l'Égyptien en dehors de l'Égypte et dans la mer et en dehors de l'Égypte? C'est parce que Hachem il a voulu que les pays d'Israël ils atteignent un niveau élevé de Emouna. Et bien, mais les pays d'Israël sont arrivés à une grande Emouna en Dieu uniquement lorsqu'ils ont vu l'Égypte mort. Parce que la preuve que lorsqu'ils étaient encore en Égypte, ils n'ont pas vu HaKadosh Baruch Hu. Ils n'ont pas vu, ils n'ont pas dit c'est Elibé Alvéo. Ils n'ont pas eu HaKadosh et chanté comme Moshe Rabbeinu, Azesh Moshe, Obélisse, Betsetami Mitzrayim, en sortant de l'Égypte. Non! Quand est-ce qu'ils ont chanté les pays d'Israël? Ils ont eu HaKadosh, ils ont eu tous des prophètes avec Moshe Rabbeinu, ils ont chanté tous un seul chant pour HaKadosh Baruch Hu, lorsqu'ils ont traversé la mer, et lorsqu'ils ont vu Pharaon mort dans la mer, et tous les Égyptiens morts dans la mer, c'est là qu'ils ont compris que Hachem, il a montré de sa force que, non seulement que Hachem, il a puni Pharaon en Égypte, mais même en dehors de l'Égypte, donc on croyait que peut-être Pharaon, il a une force en dehors de l'Égypte, voilà, maintenant il est mort en dehors de l'Égypte, ça veut dire que maintenant Pharaon n'existe plus. Ah, maintenant, c'est pour ça que Hachem lui dit, pour que Pharaon n'existe plus, il faut 400 coups, il faut 50 coups, vous comprenez? Il faut 300 coups. Chaque rab, comment il comprenait pourquoi pas, maintenant il n'existe plus que le Blisraël, hein? Qu'est-ce qu'il fallait pour finir? 500? Voilà. Qu'est-ce qu'il fallait pour en finir avec l'Égypte? Il y a ceux qui disent 400 coups, il y a ceux qui disent 50 coups, il y a ceux qui disent 300 coups. Chaque rab, comment il voyait, d'après lui, combien de coups ils avaient besoin les Égyptiens pour les achever? Chacun, mais tout le monde est d'accord qu'il fallait que l'Égypte, l'Égyptien, il quitte l'Égypte pour que le nom d'Hachem, pour que les gens ils vont dire Adonai Mloch Leolam Va'ed. Parce que les Philistins sont arrivés à dire Hachem est le roi du monde uniquement maintenant qu'ils ont vu l'Égyptien mourir à côté d'eux. Parce que même s'ils auraient vu Pharaon mourir en Égypte, ils auraient pu dire. Parce qu'à l'époque, ils auraient pu dire peut-être pas, ressusciter. Vous comprenez? Mais il faut savoir une chose. Et ça, c'est un secret que je vais vous dire. Ça, c'est quelque chose de terrible. Il faut savoir que dans la sauce céleri, ça ne marche pas dans l'eau. Un sorcier ne peut pas faire la sauce céleri dans l'eau. C'est connu ça. Les sorciers, ils peuvent être des grands sorciers, mais lorsqu'ils sont en contact avec l'eau, ils perdent leur force. C'est pour ça qu'on dit, lorsque quelqu'un il est ensorcelé, on lui dit de traverser la mer. Parce que dans la mer, il n'y a aucun pouvoir de sorcellerie. Maintenant, c'est pour cette raison que les Égyptiens, ils croyaient beaucoup en Pharaon. Pourquoi? Parce qu'ils voyaient que Pharaon descendait dans la mer. Ils voyaient que Pharaon descendait dans le Nil. Et le Nil, il s'approchait vers lui. Donc, ils ont dit comment? Si c'était un grand sorcier, il ne peut pas avoir un pouvoir sur l'eau. Et comment Pharaon, l'eau, il vient vers lui. Il est en contact avec lui, il est très fort. C'est la raison pourquoi Kachri, il a puni le Nil. Le Nil, tous les poissons, ils sont morts et le Nil est devenu sang. Là, l'Égyptien, il a commencé déjà à douter sur Pharaon. Mais quand même, Pharaon, il est resté toujours puissant. Alors maintenant, Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Il a apporté à Hachem toute la puissance égyptienne, tous les sorciers égyptiens, tous les hachamim égyptiens, et les Juifs, ils les ont reconnus dans la mer. Et dans la mer, il les a punis. Parce que dans la mer, ils n'ont plus aucun pouvoir. Mais toi, si les Juifs, ils pensaient, oh, yo, yo, tous ces haramim, tous ces sorciers, qui nous ont battus en Égypte, ils vont retourner nous récupérer. Voilà, maintenant, ils sont là, et ils ont vu tous morts. Alors, si tu me poses une question, et pourquoi le bon Dieu les a pas tués en Égypte? Et que les Juifs, ils les voient en Égypte? Parce que il avait peur, peut-être les Juifs vont penser que ces sorciers-là, ils vont ressusciter et retourner. Maintenant qu'ils sont morts dans l'eau,
ils ne peuvent plus ressusciter de l'eau parce que les sorciers, ils n'ont aucun pouvoir dans l'eau. Ils ont aucun, et la preuve que même le malach, l'ange qui les protège, l'ange égyptien qui les protège, lui aussi l'a vu mort. Maintenant, on a compris pourquoi il y a eu tout ça. Mais maintenant, pour permettre, mettons tous ces hachamim, ils sont en train de faire un pile-poule pour permettre à ce que l'Égyptien ils soient à plat, il faut tant de coups. Voilà mon fils ce que j'ai à dire sur cette bête.